avec ce soir Gérard Miller, Annie Lemoine, Caroline Diamant, Jean-Bernard Hébé, Perry Cochin et Jean-Luc Lemoine. Libérez, messieurs, libérez, messieurs, libérez, messieurs. En tant que représentant de l'Association des Amis des Patrons, je tiens à demander officiellement la libération de notre camarade Jean-Marie Messier. Vous ne savez pas qu'on va en parler dans un instant, non, Gérard. Mais je reprendrai donc la parole lorsque vous évoquerez le sujet, c'est ça tout à l'heure? Oui, tout à fait. Ah, très bien, parfait, on va le faire tout à l'heure. Si vous aviez regardé... Oh! Des mauvais points! Mauvais points! Un petit mauvais élèves! Si vous prépariez un peu l'émission, mon cher Gérard Miller, vous auriez vu que dans les photos que j'ai sélectionnées pour la photo du jour que nous allons aborder dans un instant, il y avait une photo de Jean-Marie Messier, donc que nous allons aborder ce sujet et qu'il aurait été opportun à ce moment-là que cette petite séquence fort distrayante arrive à ce moment précis plutôt que d'effleurer un sujet dont on va reparler dans 5 minutes, connard. Ah bon. Je reconnais les manœuvres. Non, non, non. Donc, j'en ai un. Je cherchais, il fallait que j'en vire un ou deux pour la saison prochaine parce qu'on veut prendre quelques nouveaux. Donc, forcément, nouveau, ça veut dire qu'il faut. Eh ben voilà, j'en tiens un. Ben, ça serait la deuxième fois que je serais viré à cause de Messier, là, ce serait pas très juste. Ça, oui, ça c'est vrai. Non, au début d'émission, avant qu'on aborde la photo du jour, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Gérard, après 5 ans quasiment d'émission, eh bien, sachez qu'on fait un petit tour de table, on demande aux copains comment ils vont. Par exemple, à Caroline Diamant, si elle a passé un bon anniversaire, parce que c'était son anniversaire ce week-end, à Caroline. Absolument. Ah, voilà. On se tourne vers Perry Cochin, on la félicite pour sa page dans France Soir, car elle est devenue désormais journaliste tous les samedis soirs. Oui, quoi? Foutez-vous de ma gueule! Oh, les trucages! Perry Cochin, journaliste. Vous n'avez pas vu? Non. Désormais, tous les samedis, Perry a sa page. Ça s'appelle Périphrase. Ah, c'est joli. Il y en a qui lisent la presse. Ah. Voilà les choses qu'on fait en début d'émission. Voilà. On se tourne vers Jean-Bernard Hébé, on lui dit alors, Jean-Bernard, on n'a toujours pas trouvé la pochette de la même couleur que la cravate. Par exemple, oui, c'est quelque chose qu'on fait. Et moi alors, on demande si je suis revenu vivant de Fort Boyard. Vous avez fait Fort Boyard? J'ai fait Fort Boyard avec Arnaud Gidoin. Ah, et on verra ça quand? Cet été. Wow. Je vous invite à regarder, nous sommes ridicules. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit, Gérard? Maintenant, passons à la photo du jour. La photo du jour. Et la première photo du jour, c'est quand même important, c'est celle de la panthère noire qui a mobilisé toutes les forces de police dans le sud de la France et a même fait fermer au public depuis quelques jours les calanques entre Cassis et Marseille. La voici, la photo de la panthère noire. Bon... D'accord, d'accord, c'est une petite panthère, mais c'est une panthère marseillaise. Le garde-chasse qui avait vu la panthère hier et qui avait raconté ça à tous les médias a une explication sur l'origine de la confusion. Il dit... J'ai dit une panthère, d'accord, j'ai dit une panthère, parce qu'au départ, quand j'ai dit que j'avais vu une grosse chatte, tout le monde s'est foutu de ma gueule. L'essentiel, c'est de l'avoir retrouvé, hein, Gérard. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faut maintenir la rumeur de la panthère noire. C'est une des dernières rumeurs campagnardes que nous ayons. Et cette panthère noire, je peux vous donner une information, n'a pas 4 pattes, mais 6. C'est pas vrai. Oui. Sympa. Oui. N'importe quoi. Non. Dites, vous allez faire bide sur bide dans cette émission? Non, pas du tout. Ou c'est parce que Derek n'a pas décidé de venir mais cette non, semaine mais... C'est pas possible. Non, non, non. Je suis contente pour une fois que c'est pas moi qui sors une connerie. On va pas gagner le tac à finir, moi je te le dis. Un commentaire sur la panthère Perry Cochin? Non, sur la photo. Ah. Je trouve ses draps magnifiques. Elle a bien bossé. Hein. Allez. Une autre photo, celle de Jean-Marie Messier, Gérard Miller, placé en garde à vue, VU, Vivendi Universal, évidemment, à la brigade financière. Quand on pense qu'avant, on l'appelait le maître du monde, Jean-Marie Messier, tout le monde voulait être copain avec lui. C'est vrai, tout le monde voulait en faire un ami, Jean-Marie Messier. C'était important de fricoter avec Messier. Bien maintenant, regardez cette photo. Même le micro fait semblant de ne pas le voir. Gérard,
Vous ne pouvez pas être heureux qu'un homme soit placé en garde à vue ou mis en prison. Absolument. Mais c'est pour ça que je demande sa libération. Moi qui, justement, au moment où il était au sommet de sa gloire, n'ai jamais pensé que c'était un grand homme, maintenant qu'il est tout en bas, c'est vrai que je ne hurlerai pas avec les loups. Je suis pour que la justice passe à 100%, mais en même temps, ce que je trouve le plus abject, c'est que tous ceux qui lui ont ciré les pompes à ce type-là, maintenant, effectivement, lui jettent la pierre. Gérard, ça sera pas mon Gérard, il y a longtemps que vous n'avez pas tenu une pancarte, vous allez la prendre sur la gueule bientôt, là, je vous le dis. Allez, une autre photo. Celle du premier pilote touriste de l'espace, le premier astronaute privé, hein, on peut dire, de l'histoire de l'espace. Et hier, il a réussi son vol inaugural à bord de Spaceship One. Il a dépassé les 100 km d'altitude et il est revenu. Bon, alors maintenant, il faut quand même qu'il prévoie, je n'ai pas vu la photo, des places à l'intérieur de l'appareil. Parce que jucher dessus comme ça, ça ne doit pas être très confortable pour aller dans l'espace. Mais en voyant cette photo, on a juste une envie, c'est de dire, dites donc, monsieur Carbury, pourriez pas les faire un peu plus petits, vos suppositoires? C'est une belle aventure. Ah, je trouve ça extraordinaire. Perry, si tu es d'accord, moi, je suis franchement partant. C'est vrai? Ah oui, je trouve ça fascinant. Un week-end avec toi sur Mars? Oui. Plutôt crevé, oui. Autre photo, celle qui illustre les soldes d'été qui commencent demain et même dans certains magasins à minuit dès ce soir avec pour l'inauguration la présence, nous dit le journal Le Parisien, d'Ariel Wiesman ou d'Ophélie Winter, comme quoi c'est vraiment les soldes. D'ailleurs, c'est con de prendre quelqu'un qui s'appelle Ophélie Winter pour les soldes d'été. Pourquoi pas Donna Summer pour les soldes d'hiver, tant qu'on y est. C'est vrai. Moi, je me fais avoir. Moi, je fais les soldes comme tout le monde. La dernière fois, j'ai acheté un chalet, un panty. Bon, je ne les porte pas, mais c'est tout ce qui restait, et c'était ma taille. Donc, j'ai... Non. Vous avez raison. Ce qui est chiant, c'est que soit il reste des petites tailles, soit des... Quoi qu'il y en a que ça aide. Des... C'est gentil. Ben non, détrompez-vous, parce que figurez-vous qu'on pense qu'il y a peu de Françaises qui ont des gros culs, donc il y a très peu de grandes tailles, donc elles partent le plus rapidement. Il reste au contraire pour les petits machins comme ça, ah oui, maigrichons, à l'air triste, qui mangent que des radicaux. Une autre photo, celle de Bill Clinton, dont le livre est mis en vente aujourd'hui aux États-Unis et demain chez nous. Un lancement digne d'Harry Potter, nous dit le Parisien. Bon, ils n'ont pas tout à fait la même baguette magique, hein, Clinton et Harry Potter. Puis c'est vrai qu'après tout ce que raconte Clinton sur sa mésaventure extra-conjugale dans ce bouquin, Monica Lewinsky avait déjà tout raconté dans son précédent bouquin. Bon, on sait qui a pompé sur l'autre, hein, de toute façon. Mais franchement, les Américains, on les dit puritains, ils ont quand même l'art de faire de gorge chaude avec des ressucés. Hein. On termine par les Bleus, évidemment, qui se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale de l'Euro 2004. Les trois meilleurs joueurs français, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mon cher Jean-Luc, ont été, pour moi en tout cas, Fabien Barthez, Thierry Henry et Robert Pires pour les Français. Et le 322-15-97, page 128, quantité 2, 452-153, page 432, taille 3, quantité 1, pour les trois Suisses. Je vais vous dire, Laurent, moi, il y a quelque chose qui me fout hors de moi. Oui. C'est que tous les gens qui critiquent les Bleus oublient dire une chose essentielle, c'est qu'ils ont actuellement le maximum de points de toutes les équipes dans l'Euro actuellement. Ça, donc, c'est vrai. Camembert. Ah, il m'a énervé, Jean-Michel Larquet, hier soir. Oh là 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 là. Je n'aurais pas dit, j'allais le dire. Bon, alors, il y a quand même le joueur le plus incertain de la sélection des Bleus, c'est Michael Sylvestre, le défenseur, et François titre même ce matin le cauchemar de Sylvestre. C'est vrai qu'il nous coûte un but ou un pénalty à chaque match depuis le début de l'Euro, mais en même temps, c'est équilibré l'équipe de France de foot. On a Sylvestre Grosminet en défense qui remplit notre cage, et Titi Henry à l'attaque qui remplit celle des autres. Laurent, vous nous avez souvent épaté ici par votre don de pronostiqueur. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement le pronostic de l'Euro 2004? Écoutez, hier en tout cas, on avait fait des pronostics pour ce match. Je signale que les gagnants sont Laurent Ruquier, 3-1, il avait mis. Hein, Christophe Alévèque avait mis 3-1 lui aussi. Pierre Bénichoux avait mis 3-1. Stevie avait mis 2-1. Là, on voit déjà ceux qui s'y connaissent moins. Stevie, 2-1.
4-0, c'était Annie Lemoine, non, c'est ça? Oui, mais juste le but suisse aurait dû être français. Elsa Fayer avait mis 2-1 et Valérie Mérès avait mis la Suisse gagnante 2-1. Elle doit connaître Jean-Michel Larquet. Et voilà. Non, vraiment, voilà, on a gagné. Alors, vous voulez mon pronostic? Oui, allez. Alors, les Français vont éliminer les Grecs en quart de finale. Et on éliminera l'Italie en demi-finale, qui va se qualifier. Hein. Ah, si. Oui, mais en demi... Et on gagnera contre le Portugal en finale. Mais moi, je pense... Voilà. Et disons-le, la gauche reviendra au pouvoir en 2005, je crois qu'on peut le dire aussi. En tout cas, la prochaine étape, c'est vendredi soir prochain, ce sera sur France 2 d'ailleurs, les quarts de finale, les Bleus devront éliminer la Grèce. Bon, alors, on va me dire, pour éliminer la Grèce, hein, Caroline, il suffit de courir un peu plus. Mais attention, ils sont devenus forts en football, les Grecs. Quand on pense qu'il y a 2500 ans, les Grecs inventaient la philosophie, que maintenant ils jouent au foot en quart de finale, on voit que c'est pas une nation qui progresse. Hein. La semaine dernière, les députés ont entamé l'examen du projet de loi concernant la privatisation d'EDF. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, les employés de l'entreprise ne sont pas ravis en ce moment. Depuis plusieurs jours, les électriciens multiplient les actions. Et mardi dernier, ils sont même allés jusqu'à couper le courant chez certains de nos politiques, qui ne sont pourtant pas tous des lumières. Un débat va s'installer sur ce plateau, je crains le pire, entre Jean-Bernard Hébé, Perry Cochin, Gérard Miller et les autres. Ce sera dans un instant, avec un représentant CGT sur ce plateau. Mais avant, Dan Bolander sur Volté a testé pour nous couper l'électricité aux politiques. Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé couper l'électricité aux politiques. C'est bon, Mano, tu peux faire monter. Zut, j'ai déjà coupé. Bonjour, EDF. On est avec vous. On vient pour couper le courant. Attendez. Vous savez que vous êtes au Parti communiste français. Et alors? Ah non, c'était pour vous le rappeler. Vous savez où se trouve le compteur? Non, je ne sais pas, mais je vais appeler... Ah d'accord. Ouais. Bonjour. Donc aujourd'hui, on coupe le courant dans tous les partis politiques. D'accord. Non, ce qu'on voulait savoir, c'est où se trouvait le compteur pour couper, quoi. Ah oui. On vous donnera les clés. On vient couper le courant? Comme Gérard Parrain. Bah partout, on fait ça partout. C'est plus équitable. On ira manifester pour vous, alors, pendant qu'on voilà, on coupe la journée. Hein. C'est vrai? Oh, oui. Bon, heureusement que nous, on a une conviction de bien accrocher. Le seul parti qui vous défende, vous ne faites pas la différence. Je comprends votre action, mais je dis qu'elle est insuffisamment réfléchie. Pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, on préfère couper tous les partis. Voilà. Allez-y, coupez. Allez-y, coupez. Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas. Bonjour. On vient couper le courant. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est par rapport à la grève. J'ai les EDF qui vient pour couper les compteurs. EDF qui est là pour couper les compteurs. Ils sont en grève, ils coupent les compteurs dans les partis politiques. Faut quand même faire attention que les ordinateurs sont branchés. Oui, non, c'est pour ça qu'on vous prévient. Hein. Oui, non, enfin, ouais. Les gens, ils sont partis bouffer. Hein. Ils sont pas dans leur bureau en train d'attendre. Ah ouais. Couper, ah ouais. Hein. On fait prendre l'ascenseur? Non, vaut mieux pas parce qu'on va couper le courant. Hein. Ah bon? Ouais, on coupe dans tous les partis politiques. Ah. Voilà. T'es gonflé, vous. Comment ça, on est gonflé? On est contre la privatisation. Je sais. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, on va couper là, l'UMP. Bonjour. On coupe le courant dans l'île. Je coupe dans 2 minutes. Vous n'avez pas honte? Vous êtes en grève? Vous utilisez les camions? Vous bloquez la circulation? On coupe l'électricité dans tous les partis politiques. Bien sûr. Ben non, mais c'est scandaleux. Mais que vous avez pour ou contre? Vous avez trop d'avantages, c'est tout? Alors là, vous êtes d'accord? Bah pourquoi on vous fait suer? Oui, coupez tout, et ce qu'on aimerait, c'est couper vos salaires. Et voilà, alors là, pour entamer le débat, il n'y avait pas mieux que cette caméra cachée. On va tout de suite faire venir sur ce plateau un syndicaliste CGT qui va nous expliquer un peu la position de ce syndicat sur la privatisation d'EDF En Marche. Il paraît-il ne plus dire privatisation, en tout cas c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, le ministre des Finances. Voici en tout cas Monsieur Maurice Marion. Bonjour monsieur. Alors il ne s'agit pas de privatisation mais de réforme des statuts, monsieur Marion. Il paraît, oui, mais à notre avis, c'est encore plus grave. Ah bon, pourquoi?
Eh bien, c'est tout le langage que le politique emploie aujourd'hui pour tromper les gens par rapport à ce dossier, et où justement il n'y a pas de débat politique sur le fond qui montre les enjeux et qui va payer. Alors vous avez vu les réactions des gens dans la rue, alors évidemment à chaque fois on vous ressort « Ah, les avantages chez EDF ». Eh oui, mais est-ce que c'est une faute si grave que les salariés ils aient des garanties collectives? Je crois que c'est ça qui est posé aujourd'hui, elles sont remises en cause de partout, nous on ne trouve pas ça normal. Perry? Moi, je trouve que c'est un discours un peu rabâché de vieille garde, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe et avec l'Europe, je ne comprends pas. Vous voyez bien qu'on va dans le mur, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'issue, vous voyez bien qu'il y a la concurrence qui va arriver, que vous le vouliez ou non, on est en Europe. On est 25 aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller contre ça. Donc ça devient ridicule, quoi. Vous allez chercher le petit truc... On laisse répondre à M. Marion. C'est justement le contraire. Oui, on sait qu'il y a l'Europe, mais la concurrence, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les prix augmentent, alors que depuis des années, les prix sur l'énergie augmentent. Ils ont augmenté de 40% pour les industriels qui sont depuis 3 ans dans la concurrence. Alors c'est un problème, ça. La question de l'énergie, apparemment, elle ne peut pas se traiter comme les autres questions. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui par rapport au débat. Monsieur, les questions... Monsieur, vous bernez les gens quand vous dites ça. Parce que prenez un exemple concret que tout le monde va comprendre. France Télécom. Quand France Télécom était seule sur le marché, on payait nos factures plus chères qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui qu'il y a de la concurrence. France Télécom a été obligée, d'une part, de s'aligner sur les concurrents ou carrément de se faire éjecter sur certains marchés puisqu'elle n'a pas réussi à s'aligner. Et là, vous allez être obligé de faire la même chose. Donc, au final, c'est pour le citoyen. Non, justement. Justement, il est prévu des augmentations de tarifs. Ceux qui sont dans la concurrence ont eu des augmentations. Il est prévu, EDF prévoit une augmentation de 10 à 15% des factures en plus pour les PME, PMI, commerçants, artisans. C'est quand même ce qui crée 75% d'emplois dans le pays. Annie Lemoine. EDF a des problèmes. 24 milliards d'euros de dettes en 2003. Vous avez contre vous l'Europe, c'est vrai, libéralisation des marchés fin juin, Sarkozy, gouvernement Raffarin, et l'opinion publique française dans sa majorité, puisque 67% des Français pensent qu'en fait, vous voulez préserver des acquis. Vous avez effectivement des acquis, un point précis, la retraite, qui maintenant, vous avez des meilleures garanties que par exemple tous les agents du service public, qui ont dû faire des efforts aussi depuis un an. Est-ce qu'il ne faut pas lâcher un peu du lest? Est-ce qu'il faut pas, il est pas... C'est votre rôle, là. C'est la CGT, ok, on manifeste, on coupe le courant, vous servez de votre outil de travail, c'est de bonne guerre. Mais est-ce qu'il ne faut pas ouvrir maintenant à la négociation et considérer que votre statut est malheureusement un peu archaïque? Écoutez, ce n'est pas les syndicalistes qui vont négocier le statut de l'entreprise, de toute façon. Et justement, comment on comprendrait aujourd'hui que les électriciens et gaziers, on dit qu'ils ont tout gagné, Sarkozy a tout lâché? Eh bien justement, leur lutte, elle ne vise pas à des intérêts corporatistes, elle vise l'intérêt général par rapport à l'accès à l'énergie au plus grand nombre. Gérard ? Alors, je reste calme, vous le remarquerez. Je veux juste souligner qu'on a en France un service public dont tout le monde, y compris les plus opposés au service public, se félicite de la qualité. Allez voir aux États-Unis ce que donne la privatisation de l'électricité. Allez voir en Angleterre ce que donne la privatisation des trains. Ce sont des catastrophes. Et je vais faire une chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Si l'or veut bien me donner un bouquet de fleurs, de l'offrir aux gens, eh bien, je suis désolé, j'en ai marre qu'on critique les gens d'EDF ou de la SNCF chaque fois qu'ils font grève. Ils font grève pour nous, ils font grève pour qu'on ait dans ce pays s'il te plaît, un service public. Je lui offre, ça fait rien, il l'offrira à sa femme. Voilà. Bravo. EDF, les hommes qui relient les hommes. C'était le slogan. Jean-Bernard, une petite question toute bête. Vous avez été voir vos collègues d'Air France et de France Télécom qui disaient exactement la même chose. Avant qu'on ne privatise Air France, oui, vous vous rendez compte, les avions vont s'écrouler, ils ne voleront plus à l'heure, c'est un désastre. Les avions volent très bien, les gens qui travaillent chez Air France sont très contents, ils gagnent aussi bien leur vie, ils font partie d'une société qui est en train de se développer et qui marche parfaitement bien. Téléphone, la même chose. Il faut prendre des mesures de façon à ce que ça ne se passe pas dans l'hystérie la plus totale, comme ça s'est passé aux États-Unis. C'est vrai, mais de refuser systématiquement le dialogue, je trouve ça très dommageable pour vous. Il n'y a pas de refus de dialogue. Il y a juste pourquoi qui vous dites qu'on va augmenter l'électricité de 10%? C'est pas vrai. Quand vous dites que ça va augmenter de 40%, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. On nous parle de la concurrence. Mais en fait, quel est le cadre de la concurrence aujourd'hui? On veut vendre des kilowattheures sans savoir à quoi ça va servir. Et malheureusement, pour faire de l'argent.
je le redis. Malheureusement, pour faire de l'argent tous les mois, vous touchez bien un salaire. Vous êtes content d'avoir de l'argent. C'est toujours ce côté, l'argent, caca. Oui, ils vont faire ça pour de l'argent. Ah oui, une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. C'est fait pour ça. Et le travail des salariés aussi, pour être reconnu, pour avoir quelques garanties. Excuse-moi, Jean-Bernard, il y a des entreprises qui ne sont pas faites pour gagner de l'argent. Les entreprises de santé, les entreprises de services publics, les transports, etc. C'est pour le bien public. Et je suis désolé, lorsqu'on rentabilise. Voilà, je me calme. Mais ils n'en gagnent pas. Attends, les hôpitaux ne gagnent pas d'argent aujourd'hui. La CGT le dit très bien, aujourd'hui, on vend l'électricité moins cher qu'elle ne coûte. Il faut qu'elle gagne de l'argent pour survivre. Pour apporter un bémol aux deux camps, Jean-Bernard, Hébé, soyez honnête, ces dernières années, il faut remonter quand même dans de lointains souvenirs pour se rappeler qu'il y a eu des coupures EDF dans quelques domiciles que ce soit chez les Français. Tout franchement. À fait exact. Mais je voudrais aussi apporter un bémol à ce que dit Gérard Miller sur ce qui se passe aux États-Unis, le diable américain. Les peu de fois où je suis allé aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils ont aussi de l'électricité, que les gens vivent tout à fait normalement, qu'ils ont du courant, que c'est pas non plus coupé. Non, mais c'est exceptionnel. Voilà, il faut quand même que vous soyez tous un peu des bémols partout. Et tu trouves aussi des bémols sur les trains anglais, le nombre d'accidents et tu es déjà allé dans les trains en Angleterre pour voir comment ça fonctionne. Foutre dans les trains anglais. Voilà, allez-y, moi j'y vais. Qu'est-ce que j'irai foutre dans les trains anglais? Déjà, ils savent pas conduire leur bagnole sous le pont de l'Almac, j'irai dans leur train en Angleterre, franchement. Une dernière question. D'où vous est venue l'idée de faire des coupures uniquement des hommes politiques? Ah non, on a cherché. On a trouvé. Est-ce qu'on peut voir les images, s'il vous plaît? On va continuer parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est soit on retire le projet, soit on... Alors pourquoi vous ne coupez pas l'électricité à Matignon plutôt que de la couper chez nous? Matignon et l'Élysée, vous leur faites... Tout le secteur de Matignon, vous habitez à côté. Non, juste Matignon, j'ai dit. Juste Matignon et l'Élysée. On retient l'idée, on va la soumettre. C'est vous qui avez eu l'idée? Alors justement, alors c'est vous qui fournissez les idées à la CGT, Péricochin. Tu vois, Gérard, alors là, je suis comme une... C'est bien. Je voudrais juste que vous m'expliquiez comment vous faites le petit tourbillon avec vos cheveux. Est-ce que vous mettez des bigoudis ou pas? Alors, c'est pas électrique, c'est très naturel. C'est avec mon doigt le matin quand j'ai les cheveux mouillés. D'accord, parce que ça me travaille depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Vraiment, c'est intéressant, ça. On va vous remercier, parce que de toute façon, on va pas tarder à couper le courant ici aussi. Merci, monsieur Maurice Marion. Merci. Vous pouvez emmener les fleurs de Gérard Miller, il serait très déçu. Merci. Hein. Demain sort Les Fils du Vent, un film d'action et d'aventure de Julien Seri dont les héros sont les Yamakasi. Les Yamakasi, pour ceux qui l'ignoreraient, ce sont ces jeunes gens inconscients qui font tout un tas de cascades très dangereuses, comme par exemple, je sais pas moi, sauter des marches dans les escaliers et courir avec des sucettes dans la bouche. On me disait toujours ça quand j'étais petit. Dans Les Fils du Vent, plus sérieusement, ces acrobates urbains, comme on les appelle, que vous avez déjà vu dans le film Yamakasi, doivent vaincre un groupe de méchants qui s'appelle les hyènes et qui, à la différence de l'animal, ne rigolent pas du tout. Vous le verrez si vous allez voir ce film. Pour tester ensemble Les Fils du Vent, accueillons tout de suite quatre des Yamakasi du film, Guilin, Shaobeldin, Malik Diouf et Williams Bell. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Il en manque un encore, alors il est où? Aïe, cinéma mercredi dans Les Fils du Vent. C'est, il faut le dire, pour les plus jeunes d'entre nous, le retour des marsupilamis avant toute chose. Pourquoi vous n'êtes pas appelé d'ailleurs les marsupilamis plutôt que les Yamakasi? Déjà, ça sonne pas très bien. Ça sonne pas très bien. Ouais. Ben déjà, pour les plus jeunes, faites attention parce que nous, on a 15 ans d'entraînement derrière. Oui. Donc nous, on est entraînés et pas vous. Donc faites vraiment très attention. Plus de 6 heures d'entraînement par jour, je précise. Oui, Gérard, vous ne prenez pas l'idée de faire ça. Non, mais précisons-le, pour les plus jeunes et surtout pour les plus vieux. C'est encore plus dangereux pour eux. C'est le deuxième film avec les Yamakasi, vu le succès du précédent. Voici donc Les Fils du Vent. Je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. «
tu dois unir nos deux arts et apprendre à dominer ta violence. Alors, tu maîtriseras la force et la voie s'ouvrira devant toi. Hé, hey, Français ! On n'a pas été assez clair la dernière fois ! Les 6 du vent, ça sort mercredi. Il faut s'accrocher pour regarder ce film. Caroline Diamant m'a dit qu'elle était épuisée à l'issue de la projection. C'est vrai, Caroline ? Écoutez, j'ai adoré. J'ai adoré parce que d'abord, c'est très très bien filmé. Ça commence par un somptueux plan séquence qui est très long et très beau. Et alors la scène de début où l'un d'entre vous lance un défi et ils doivent se retrouver sur des toits. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté, on a le cœur qui fait comme ça. Ça saute tout le temps parce qu'on a peur pour je eux. Je confirme, elle m'a vomi dessus. Oh, c'est pas vrai, j'ai gardé une certaine dignité. Ouais, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai adoré vous regarder sauter dans tous les sens. Merci. Annie Lewand, vous aussi, vous avez aimé ça ? J'ai adoré, bravo, bravo à vous, merci. La performance extraordinaire. Et puis aussi, quand même, chapeau au réalisateur Julien Seri qui a inventé quelque chose. Quoi. C'est très joli, il y a un esthétisme, les images sont belles, le son est merveilleusement travaillé, ça bouge dans tous les sens, c'est vrai. Mais en plus de ça, tu as parlé d'efficacité à l'américaine quand on était ensemble à la projection. En plus de ça, il y a une vraie sensibilité française, il y a quelque chose, l'histoire d'amour, on y croit. Enfin, moi, je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est sympa. Et je pense que c'est un film mixte, c'est-à-dire qu'on peut le partager avec un garçon. Quelquefois, on dit qu'il y a des films de garçons, des films de filles. C'est vrai qu'on se rejoint pas toujours dans notre sensibilité. Et là, je trouve qu'à deux, on le partage merveilleusement bien, hein, Jean-Luc ? Oui, tout à fait. Elle vous a pas vomi dessus, elle, alors ? Elle vous a... Non, elle m'a essuyé. Julien, je voudrais quand même préciser en fait une chose, et que le scénario, c'est l'un de nous qui l'a écrit. Donc c'est très important pour nous, c'est une deuxième étape. Comme par hasard, a une petite aventure avec une fille, c'est celui qui a co-écrit. Il est pas fou. Bravo, Charles. Alors le message du film, parce qu'il y a un message, c'est fuck les escaliers. Non, on prend les escaliers comme tout le monde. Oui, on est des gens comme tout le monde. L'ascenseur aussi. Ouais. J'étais épuisé à la fin du film. Hein, et c'est vrai qu'on est rentré en métro, mais sur le toit du métro, hein, parce que c'est vrai que t'as envie d'y aller. Moi, ça m'a rappelé les premiers films de Jackie Chan, avec notamment le passage sur l'échafaudage et tout ça. Il y a des moments très, très bluffants au niveau de la mise en scène, au niveau du rythme et tout. C'est un vrai film d'action, avec des incohérences de temps en temps. Bon. Ça va être difficile de trouver quelqu'un qui meurt parce qu'ils sont très très balèzes quand même. Donc ça, il y a des incohérences, mais ça fait partie du charme du film, c'est vraiment bien. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a encore quelques moments, je me dis que c'est bon, vous maîtrisez le gymnase, vous pouvez encore pousser sur les cours de théâtre à certains moments, c'est tout. Franchement, mais je vous le dis franchement, merci, mais c'est un vrai plaisir. C'est un vrai, vrai plaisir. Gérard Miller. Qui est plus vermouth cassis que Yamakasi, vous voyez ? Pas du tout. J'ai vu les premiers Yamakasi avec mon plus jeune fils qui a adoré, moi aussi. Donc je suis ravi à l'idée que vous sortiez un deuxième film. Et je lui ai promis une chose. Il m'a dit, papa, tu n'es pas capable de faire ce que font les Yamakasi. J'ai dit, si un jour je les rencontre, on fera ensemble quelque chose. Je vous propose qu'on fasse, avec deux d'entre vous, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis des années. Un des trucs les plus difficiles. Vous êtes prêts ? Ouais, okay. Regardez bien ce qu'on fait. On met. Alors, vous vous mettez là, vous mettez le pied là, allez-y. Ah. Puis là, voilà. Puis là, ouais, on tourne comme ça, regardez. Et on redescend, regardez. Oh là là, c'est incroyable, hein ? Voilà, ouais. Quel était ça ? Alors, moi, je suis moins. Enthousiaste que les autres. Oui, c'est pas parce que j'ai pas aimé le film. Mais généralement, de toute façon. Non, ça dépend. Il y a des choses où je m'emballe. C'est un état là, habituel. Non, mais pas du tout. C'est pas vrai. J'ai trouvé que c'était trop proche d'une certaine réalité urbaine. Ça se passe en ville. Et je me suis dit, ça va être un danger, ce film. Les jeunes vont pouvoir s'identifier en se disant, tiens, on peut sauter d'un balcon, pas d'un immeuble à l'autre, mais sauter juste d'un balcon à un autre. Et on va avoir des drames à la sortie. Franchement, c'est leur faire un mauvais procès. Quand Mike Brown s'est jeté de son balcon, Yamakasi n'était pas sorti encore. Non, hein, il n'était pas né. Non, mais bon, c'est la seule réserve. Peter Pan dans ces cas-là. Ce que vous voulez dire, c'est que nous, on fait énormément confiance à la jeunesse de Batman. Vous avez peur pour vos enfants. Il faut dire la vérité, Perry. Soyons honnêtes. Je vais vous expliquer. La grande crainte de Perry, c'est le jour où, en effet, elle-même a vu Basic Instinct, elle a baisé pendant 15 jours de suite sans arrêter. Enfin, et voilà, c'est et exceptionnel. Voilà. Et ouais, mais c'est comme ça. Jean-Bernard Hébé.
Le film est très bien fait d'un point de vue technique. Je veux dire, c'est un clip d'une heure et demie, il saute, c'est bien monté, il y a de la musique, et tout, tout, c'est formidable. Mais ça m'a fait penser à un film pornographique. Exactement. Ce sont des jeunes gens, très très beaux, qui font des choses incroyables avec leur corps, avec un dialogue qui est quand même assez réduit et dont on connaît la fin. Donc c'est exactement le prototype du film pornographique. Je voulais vous dire que c'est très bien ce que vous faites, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Ben merci beaucoup, parce que nous, on a fait ce film-là avec le cœur, on est des passionnés. À partir du moment où tu aimes, tu fais, donc on est des passionnés, alors, y a pas de problème. Allons-y, prend... les méchants, qu'est-ce qu'ils disent? C'est moche d'être aigri. C'est pas aigri, je suis pas aigri. Remettez vos lunettes. Voilà. Regardez le fils de Jean-Pierre Coff, mesdames et messieurs. Mais pas du tout. Pas du tout. Le papa de Harry Potter, je préférerais. Je suis surpris que personne n'ait dit, alors je vais le dire, c'est qu'en plus, il y a quelque chose de formidable chez vous, c'est que vous êtes tous beaux. Vous n'êtes pas d'une beauté, justement, standard, caricaturale, vous êtes d'une beauté humaine, et je suis frappé lorsqu'on voit les affiches ou les images de votre film, à quel point cette beauté, dans sa diversité, est touchante. Je voulais vous le dire. Un conseil, les gars, après l'émission, courez vite. Non. Ah, vous pouvez peut-être partir en sautant Gérard Miller. Allez, ça sort mercredi, Léa Macassi, dans Les Fils du Vent. Merci à vous quatre. Pour lutter contre une éventuelle canicule et les conséquences qu'elle pourrait engendrer, on le sait, on ne parle que de ça, Philippe Douste-Blazy avait pensé au fameux brumisateur. Pas seulement, soyons honnêtes. Et d'ailleurs, l'association Vivre entre voisins a eu une meilleure idée encore, le voisin tuteur. Et ce n'est pas évidemment pour que les vieux se tiennent droit. Non, le principe est simple du voisin tuteur. C'est un voisin qui prend l'initiative personnelle de veiller sur les anciens de son immeuble ou de sa rue. C'est une bonne idée. Et ainsi, il alertera le médecin en cas de problème. Et pour le remercier, il va de soi que la personne âgée prise en charge devra reverser au tuteur tout son héritage. Non, là, je déconne. Pour parler de ce dispositif voisin tuteur, nous allons recevoir sur ce plateau la présidente d'honneur de l'association Vivre entre voisins, qui a eu l'idée de cette initiative. Voici celle que vous voyez peut-être de temps en temps sur France 3, puisqu'elle y présente la météo, Fabienne Amiac. Bonjour. On vous le dit, on se connaît. Est-ce que c'est parce que vous vous intéressez à la météo que vous avez l'idée de créer cette initiative? Pas du tout. Aucun rapport entre les deux. Donc en fait, l'initiative, c'était de créer une association qui s'appelle donc Vivre entre voisins pour justement pallier les problèmes d'isolement. En fait, on vit dans une société où personne ne se parle. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas rééduquer un petit peu les gens? Ça commence à la base avec bonjour. Alors c'était le truc tout bête. Moi je reste des heures à dire bonjour. Si on me répond pas, je continue à dire bonjour. Je reprends l'ascenseur avec la personne, je lui dis bonjour jusqu'à ce qu'elle me dise bonjour. Oui, parce que ça part de là. Si on est indifférent aux gens, j'ai plein d'amis. Parce qu'après ils se marrent. Là, l'initiative est toute bête, toute simple. Moi je la trouve formidable d'ailleurs. C'est de dire dans chaque immeuble, recenser un peu les personnes âgées qui pourraient souffrir pendant la canicule, celles qui sont seules, celles qui ne sont pas forcément en bonne santé, celles qui pourraient avoir trop chaud, et bah, déclarez-vous auprès de votre mairie en disant « moi, je veux bien être tuteur dans mon immeuble ». C'est ça, absolument, en gros, l'idée. Hein, en gros, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut très bien le faire aussi auprès de son gardien ou auprès de ses voisins de palier. Il suffit d'aller simplement dire, voilà, ben moi, je suis là cet été. Même si les vieux ne sont pas d'accord, parce que parfois, ils ne sont pas d'accord. Oui, mais ils ne sont pas d'accord, pourquoi? C'est parce que déjà, il faut les amadouer, il faut leur parler. Si on les agresse en leur disant, ben, tu sais, moi, je suis là cet été, si tu veux, ben, je peux m'occuper de toi, le voisin, il va dire, elle va vouloir me voler mes sous, elle va vouloir voler tout ce que j'ai chez moi. Ce qui n'est pas incompatible, d'ailleurs. Oui, mais enfin, on n'a pas besoin d'être voisin pour aller voler son voisin. Je veux dire, il y en a qui se font passer pour des faux flics, des faux postiers. Franchement, il n'y a pas besoin de ça pour aller voir. Faux voisin, c'est plus facile à faux faire voisin. Se faire passer pour faux voisin. Ça, c'est un truc facile à Paris, parce qu'on ne les connaît pas, ces voisins à Paris. Oui, mais enfin, bon, ça n'implique pas ça. Bien sûr. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, Annie Lemoine? Oui, je trouve ça très bien. Je n'ai pas bien compris le mécanisme. Vous pouvez répéter, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je veux me porter tuteur de la personne qui est au-dessous de chez moi.
oui. et d'un jeune Italien de 30 ans. Je peux aller à la... Non. Oui, là, je vais avec vous. Non, non, non. Tu as une tuteur, à mon avis. Comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit d'accord, c'est ça? Et ensuite, on va seul? Pas du tout. C'est une action qui va demander une solidarité auprès des collectivités et des mairies. Chacun fait ça dans sa rue, dans son village. On n'est pas obligé de passer par la mairie, quoi. C'est on n'est pas obligé de passer par la mairie. Je prends l'exemple, c'est un tout petit peu compliqué. Non, parce que, par exemple, bon, imaginez que vous avez plusieurs voisins. Vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Donc là, par exemple, je voudrais choisir une voisine. Comment faire? Eh bien, on ne va pas aller voir les dames une par une en tapant à la porte de leur domicile. Surtout vous, elles vous ouvriront pas, Gérard. S'il y a une dame qui veut bien ouvrir à Gérard Miller... Est-ce qu'il y a une dame qui veut bien m'ouvrir? Ah, voilà, madame. Eh bien, voilà. La non-voyante. Évidemment, c'est la fin. Je vais m'asseoir à côté de vous. Alors. Je vais m'asseoir à côté de vous. Hein? C'est pas ma faute. Madame dit quand. J'ai vu vos émissions avec cette dame. Dans le noir. Exactement. Et madame est malvoyante, en effet, elle m'a choisi. Et j'ai ma voisine. Tandis que les autres, elles ne veulent pas vous ouvrir, Gérard. Vous voulez pas m'ouvrir, madame? Vous n'aimez pas Gérard Miller? Si, là, regarde, il y a toutes les voisines. Si, mais elles savent que c'est un gros cochon. Si, vous aimez bien Gérard Miller? Oui. Attends, vous aimez bien? Mais oui, bien sûr. Tu vois, ben voilà. Ah, ben j'ai quatre voisines maintenant. C'est sympa. Ben c'est ça le principe. En fait, on est en train, excusez-moi de dire ça, mais on est en train de réinventer ce qui a toujours existé, bien sûr, qui est la générosité, le sens civique, le bon voisinage, dire bonjour, aider les gens ne qui pas sont... être indifférent. De pas être indifférent. Mais demander... maintenant, il y a besoin d'une association pour oui, ça. Absolument. Mais oui, c'est voilà. ça qui est dommage. Moi, je booste les gens parce qu'ils sont incapables de le faire tout seul. Caroline, qu'est-ce que vous en pensez? Ben forcément, je trouve ça formidable. Je ne serais pas prête à tout faire parce que je pense que je ne serais pas capable. Il y a des soins que je ne me sens pas capable de donner. C'est là où peut-être je voulais intervenir. Je précise parce que dans l'article, oui. parfois, il était dit des gens handicapés quand on se présente à la mairie. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas ni la formation d'une infirmière. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais apporter de l'eau et des choses comme ça. Et en tout cas, passer un coup de fil. Quand même, vous êtes occupé d'artistes pendant longtemps. C'est des grands malades, je veux dire. Oui, ce sont des grands égomaniaques. Mais... Caroline, si je peux me permettre, ça n'est pas non plus d'être toujours présent. Ce n'est pas ça du tout. Par exemple, si la personne ne peut pas être présente en étant voisin tuteur, elle va quand même appeler, par exemple, une personne isolée dans un immeuble tous les jours. Un coup de téléphone suffit à savoir si elle est encore en vie. Ce qui est très important, c'est apprenez à faire boire les personnes âgées, parce que moi-même, parfois, j'essaye, je te prends comme exemple, mais tu sois très jeune. Mais oui, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Vous faites comme ça. Au début, ça se passe bien, mais c'est après où ça se renverse. Les gens sont trop bien. Puis il est con. Parce que... Les gens sont trop pressés, il faut faire boire lentement. C'est vrai. On est tous d'accord avec votre initiative. Moi, je suis contente, et même le ministre de la Santé, M. Oui, Douste-Blazy. Et je le remercie parce que moi. Mougli, comment il va, Mougli? Ben, je ne sais pas si tu l'appelles comme ça. Ah, ou il ressemble pas, à Mougli, monsieur Douste-Blazy. Non, il bosse, ça. Depuis qu'il est arrivé à la santé, je trouve qu'il bosse. Contrairement à l'autre, là, qui était sur sa chaise longue et tout. Ouais. Monsieur Douste-Blazy bosse. Il communique beaucoup. Je ne sais pas s'il bosse autant qu'il communique, mais en tout cas, il bosse. Il est présent. Et il soutient en tout cas votre action. Et ça, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'inscrire en mairie? Est-ce que ça ne donne pas un côté solennel et officiel surtout? Alors, par exemple, parce que est-ce que ça ne va pas créer aussi du stress chez les gens qui sont tuteurs? Je ne crois pas. Ce qui fait que les gens vont appeler les vieilles personnes toutes les heures. La vieille personne, au bout d'un moment, dit « Putain, elle commence à me gonfler, celui-là !» Donc, pas il ne répond tout. Plus. Alors, résultat, justement. On lui envoie les pompiers. Très bien. C'est une bonne question. J'imagine les vieux dans son immeuble. « Putain, 22, là, je me plains !» Mais au contraire. Elle rapplique. Ils adorent. Mais les vieux adorent parler. Mais oui, ils sont souvent seuls, ils s'ennuient, s'ils arrivent à te choper. Oh, merci, Perry. Ils te lâchent plus, tu vois, et c'est tchap-tchap-tchap. Moi, je veux bien Perry en ma demeure, parce que là, ça va... là il faut venir. D'accord. Il faut venir. Mais encore, voilà une voisine toute tutrice. non, on va pas. Vous êtes une bonne tuteuse, vous aussi, Perry. Il n'y a pas de dérapage. Non, vous savez quoi? Je pense qu'il faut que vous travailliez un peu le logo. Parce que quand j'ai lu tout le dossier, sans plaisanter, je déconne pas là, j'ai lu voisin tueur. Et j'ai lu tout le dossier en me disant, mais pourquoi ils ont appelé ça comme ça? C'est bizarre, parce que je me suis dit, bon, par rapport à la canicule, ils veulent éviter que les gens meurent et tout. Mais ça colle pas. Ça... Canicule, tu le lis bien? Merci. Allez, on va remercier Fabienne Amiat. L'association Vivre entre voisins, l'adresse va s'afficher le site internet. C'est rue de l'Université au 106, rue de l'Université à Paris, dans le 7e arrondissement, pas très loin de chez Perry d'ailleurs. Hein. Oui, hop, je vais venir. Merci Fabienne. C'est bon. –
Le 1er juin est sorti Karen Mulder. Et là, vous vous dites... Pourquoi il nous dit ça? D'accord, Karen Mulder est sortie, et alors? Non, Karen Mulder, c'est le titre de l'album de Karen Mulder, qui est donc sorti le 1er juin dernier. Tout comme sa collègue des podiums, la célèbre Carla Bruni, la ravissante blonde a décidé elle aussi de mettre entre parenthèses sa carrière de mannequin pour se consacrer à la chanson. Déjà, il y a quelques années, elle avait repris une chanson de Gloria Gaynor qu'on avait, je crois, appréciée tous les deux. Hein, Annie, oh, ouais, j'adorais. Oui, j'adorais. I am what I am. I am what I am. Maintenant, c'est tout un album qui vient de sortir. Il y a aussi un single qu'on entend actuellement sur toutes les radios. La chanson s'appelle « Sors de moi », ce qui veut dire « Sors de mon esprit », bien sûr, pour ceux qui verraient le mal partout. Pour tester ensemble l'album Karen Mulder, la voici. Cette coiffure aussi. Ouais, ça va. C'est validé, c'est validé. C'est validé. Okay. J'aime pas sa coiffure dans le clip. Je voilà. suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on va voir le clip. Je vous trouve affreuse dans le clip. Mais c'est vrai. Alors... Non, mais elle est sublime. On peut dire qu'elle est moche dans son clip. Alors c'est que la chanson, elle, sort de moi, est très bien. Regardez. Ah oui. Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Ça n'empêchera pas de crier de plus belle. Maintenant, tu sors de moi. Le clip. Jusqu'à présent, je n'avais pas vu le clip, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Perry, j'en veux bien des moches comme ça, moi. Moi, ça me va très bien. Karen Mulder, ne vous laissez pas influencer. Je ne connaissais pas non plus le clip, donc j'étais sur la réserve. Je trouve cette coupe moi, de je cheveux ravissante. Le maquillage est un peu forcé, ce qui va très bien avec justement le principe même de la chanson, la façon dont... Ne changez pas. Méfiez-vous de Gérard Miller, Karen, parce que son slogan, c'est Mulder, si je t'attrape, je te mords. Pas du tout. Jean-Bernard. Moi, j'ai fait un truc hier soir inouï avec vous. Ah oui? J'étais devant mon ordinateur, et j'ai tapé Karen Mulder. Est-ce que vous savez combien il y a de pages sur Karen Mulder? J'ai aucune idée. 122 000. Ouais. Alors, je ne les ai pas toutes regardées, j'ai passé une partie de la nuit. J'ai vu énormément de photos de vous. Vous êtes toujours très, très belle, notamment dans des petites tenues. Et je dois dire à votre bénéfice qu'il n'y a qu'une photo où vous êtes nue. C'est celle que j'ai imprimée. Elle est, vous êtes absolument parfaite. Et les chansons, la musique dans tout ça, dites? Alors, à ma grande surprise, parce que quand on m'a dit Karen Mulder, faut que tu écoutes l'album et tout, comme je vous avais entendu dans une émission de radio l'autre jour, où, à cause sans doute des questions de l'intervieweur imbécile, vous passiez pour une gourdasse, j'ai dit, oh là là, Karen Mulder... C'était qui? C'est Laurent Boyer. C'était parce que toute personne qui parle avec Laurent Boyer a l'air intelligente. En général, ouais, tu as remarqué. C'est méchant pour notre confrère. Par contre, l'album, vraiment très très bien. Bravo. Perry Cochin, la jalouse. Jamais, alors là, tu peux me taxer de tout sauf de ça. C'est la vilaine à la limite. Le ça, je suis d'accord, c'est vrai. J'ai trouvé cet album formidable parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, mannequin comme Carla Bruni, belle comme Carla Bruni, elle va nous sortir un disque comme Carla Bruni. Eh bien, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Carla Bruni. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas eu envie d'écrire plus d'une chanson. Bah, je suis... en fait, c'est Daniel qui allait... Oh là 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 là, je m'en mêle. Tout va bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Faites comme si j'étais Laurent Boyer, allez-y. Non, en fait, moi, je suis plus dans les mélodies que dans les textes. J'ai un peu de mal à je trouve ça pas très facile d'écrire, non. Je suis pas... Je crois aussi, pour moi, c'est plus facile d'écrire en anglais et que c'était pas très compatible. Gérard Miller. Moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un sort un album, c'est pas seulement les chansons, c'est aussi l'histoire de la personne, ce qu'elle dégage, comme on dit aujourd'hui. Et donc, je vais me permettre de vous rendre un service, puisqu'il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle « Je veux être libre ». Où vous posez certaines questions, où vous demandez que faut-il faire pour être heureux, pourquoi est-ce si compliqué? Premièrement, demandez-vous, est-ce que je dois regarder les psys à la télé qui m'expliqueront comment rendre la vie fabuleuse? La réponse est non. Deuxième question, faut-il se mettre au Prozac, dites-vous dans la chanson? La réponse est non. Troisième question,
Faut-il épouser les idées d'Attaque pour mieux partager les richesses de ce monde? Attaque, l'association qui, en effet, lutte contre la mondialisation au mauvais sens du terme. La réponse est oui. Voilà. Merci. Ils ont bien bossé votre album, hein. Vous avez vu ça un peu, hein? Ben oui. Ça vous fait marrer? Ben oui, parce que... C'est pas habituel. Ben, je regarde votre émission de temps en temps et j'avais un peu peur pour être... C'est vrai? Oui. Oh, Non, ils veulent tous sortir avec vous, donc il n'y a aucun souci. Jean-Luc Lemoine. Donc, ça dépend, on dîne ou pas? C'est pour savoir. Avant, je demande avant parce que sinon... Non, mais je préfère ça à ce que vous avez fait sur I Am What I Am. Et moi, j'avais l'impression que c'était un coup, limite marketing. Là, on a l'impression qu'il y a plus de choses personnelles. Donc, je trouve ça très bien et je trouve que c'est un bon album. Je dis que c'est un bon album, j'essaie de faire simple parce que sur votre dossier de presse, j'ai rien compris. Pour décrire votre musique, il y a marqué un condensé pop moderne de son d'aujourd'hui et de référence aux grandes heures des musiques à supplément d'âme. C'est bien tout ça, mais c'est à quel rayon dans les magasins de disques? Caroline Diamant. Alors écoutez, c'est vrai que vous avez un album qui est très bien fait. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas personnellement totalement accroché. Je ne l'ai écouté que deux fois. Et je pense que j'ai besoin de l'écouter plus souvent parce que vous voyez, plus j'écoute en revoyant votre single et plus je suis séduite. Je voulais dire aussi que j'ai eu l'occasion de vous croiser à plusieurs reprises sur les Restos du Cœur. Je voudrais rendre hommage à votre simplicité et à votre naturel. Parce que c'est vrai qu'on s'attend souvent chez des très belles femmes qui en plus ont été célébrées pour leur beauté à une certaine pose et un certain maniérisme que vous n'avez absolument pas. C'est très rafraîchissant. On aimerait tellement que vous soyez bête et con. Hélas, vous ne l'êtes pas et ça fait très plaisir. Eh ben, hein, vous avez bien fait de venir, comme dirait l'autre. Hein. Écoutez... Oui, je voulais juste qu'elle balance un petit peu quand même, parce que j'ai lu une chose, il paraît que ce qui vous endort, c'est la télévision, et vous dites, plus c'est bête, mieux je dors. Ben oui. Pour nos amis insomniaques, qu'est-ce que vous conseillez comme émission? Il faut balancer maintenant. Vous endormez avec qui, en gros? Alors, les émissions très tard le soir, très simples. Là où il y a l'émission là, où on tire les rideaux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, il n'y a que la vérité qui compte. Voilà. Ça vous endort. Ah oui. Putain, les vénards, elle s'endort avec Fontaine et Bataille. Vous rendez compte un peu? Hein? C'était qui vos copines? En fait, c'était Carla. Carla Bruni. Ouais. Ah donc, vous avez vraiment le même... vous creusez le même sillon. Mais ça fait des années qu'on est sur le canapé, en train de gratter la guitare, jouer la musique. Il y a des canapés qui ont de la chance, hein. Et il va y avoir un bouquin de Justine Lévy sur vous? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Hein. J'espère que non. Allez, Karen Mulder, vous restez encore 3 minutes avec nous pour le Tac à finir. Alors, il s'agit, ma chère Karen Mulder, d'aider mes petits camarades à compléter les quelques phrases qui vont venir. Par exemple, une phrase de Zinedine Zidane, le leader de l'équipe de France de football, qui dit « Être, ce n'est pas facile. » Un mythe. Être le meilleur. Au top. Star. Alors, c'est plus près d'au top et... Star. Vous avez dit quoi? Le meilleur. Presque le meilleur. Star, vedette. The best. Être the best. Non, mais le meilleur ou the best, c'est un comparatif. Alors, c'est pas ce que je vous demande. C'est plutôt un qualificatif. Être... Être au top. Non, c'est non. Pas au être top. Quoi? Être quoi, Karen? Quand on est belle, on obtient... Être tout. Parfait, exactement. Bravo, Karen Mulder. Brad Pitt, voilà un beau garçon, Karen Mulder. Il n'est pas libre, hein, en même temps. Enfin bon, on ne sait jamais. À la maison, je suis toujours... Au journaux. Couché. Comment vous dites? À poil. À poil, exactement. Bonne réponse. Alain Madla déclare, aujourd'hui, l'UMP donne le sentiment de n'être qu'un... Est-ce qu'il y a un nom et un adjectif? Il y a plusieurs mots, Gérard. Ah, voilà. Voilà quoi? Cinq mots, il y a cinq mots. Cinq mots? Ouais. Oui, champ de bataille. Un soldat aux ordres de Chirac? Non. Ce n'est qu'un instrument pour gagner. Alors, c'est un instrument, en tout cas, qu'il faut trouver. Voyez déjà. Mais quelle sorte d'instrument? Marteau? Pas marteau, tournevis. Mais j'ai cru entendre... Martyr. Pas un marteau. Une hache? Non. Un râteau? Un râteau, mais un mauvais râteau. Un râteau comment? Sans dents. Un râteau sans dents. Alors, sans dents. Un peu mieux que sans dents. Avec une seule dent. Avec une seule dent. Bonne réponse de Gérard Miller et Caroline Diamant. Comment fait? C'est pas facile, hein? Ben voilà, ça s'est bien passé. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Alors, ce soir, je me couche très tôt. Ah. Toute seule?
Oui. Je pense qu'il va faire son coming out, Laurent Ruquier, bientôt. Karen Mulder, l'album. C'était notre invité ce soir. À demain.